Xenoblade Chronicle. Salut à tous, c'est ZLV99, et donc aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo enregistrée allez, d'un game capture avec la voix enregistrée allez, du Caméscope. Et donc nous y allons, donc également l'épisode numéro 1 de mon let's play de Xenoblade Chronicle. Un jeu génialissime, hein. Sinon la qualité, je sais pas combien ça doit être, parce qu'en fait j'ai un petit peu du mal à régler la qualité. Normalement on peut mettre maximum en 1080p, mais en fait c'est pas avec les chiffres, c'est soit bonne qualité, soit très bonne qualité, soit qualité optimale. Donc voilà, là c'est en train de charger comme une merde. Bref, il y a déjà une cinématique. Il y a fort longtemps, le monde n'était rien d'autre qu'un océan sans fin, enveloppé d'une immensité des cieux et sa perte de vue. Punaise, c'est peur. Là, c'est des titans géants qui sont en train de s'entretuer comme des chacals radioactifs. Puis deux titans virent le jour. Même si c'est nuit, mais bon. Mais enfin. Allez, Baston. Baston! Suicide collectif, Bionui et Mekoni. Ouais. Il ressemble à rien, franchement. Oui! C'est passionnant. Allez, baston! Les titans s'engagèrent dans un duel sans fin. Charal. Peur de manger du charal. Jusqu'à ce que seuls leurs deux corps subsistent, je crois. Des millénaires ont passé. À présent, notre monde, cette vaste terre qui s'étend sur le reste de Bioni, est attaquée par des ennemis impitoyables, les mécons. Ces sortes de robots. Eh ben, les mécons, ils sont très cons. C'était monsieur, c'est le mot. Non, déconne. Oh, punaise de Coquille Saint-Jacques, là. Ça tue. Ça tue sa grand-mère. Repliez-vous, repliez-vous. Baston. Ah là là. Ils sont vraiment rien. N'approchez pas. Baston. On aime tuer des gens, même si ça sert à rien. Oui. C'est trop génial. Impossible d'estimer le nombre de mécons. 78. Il s'est fait buter. Ah, c'est bête, hein. Allez, baston. Baston. Ma grand-mère. Ils avancent sur notre... Ah, il faut le dire. Pour un tas de machines, son âme... on verra ça. Bon, excusez-moi, j'arrête pas trop le temps de lire les sous-titres. Hein. Parce qu'en fait, ils passent vite, tout. Finalement, c'est... ils parlent anglais, hein. C'est leur voix. Dumbum nous a donné l'ordre de nous replier. On va en retrait jusqu'à la colonie 6. C'est là-bas qu'on établira la dernière... Ouais, c'est pas bête. Si ça continue comme ça, on va tous y passer. Je vous suis, on se casse. Ou alors on reste ici, on se barre. Quoi? Alors, si on leur fait face... Ah. Excusez-moi, mais ce sera le gros défaut de ce let's play, c'est que j'arrête pas de tout dire les sous-titres, donc si vous voulez, vous pourrez faire pause sur la vidéo juste pour pouvoir lire les sous-titres, mais je vais faire ce que je peux. Il suffit de te regarder pour... Ah. T'as vu... Ah, très bien. T'as fait, je maîtrise la situation. Après, il va faire buter. Ça sert à rien d'essayer de raisonner un fou, c'est ce que je vois. Très bien, je te suis. Il faudra bien quelqu'un pour ramener ton cadavre. Tu penses en avoir encore la force, Capuche? Eh oh, tous les deux, on a reçu l'ordre de battre en rencontre. Moi, je me casse.
Une minute, tu viens avec nous. On va avoir besoin de tes griffes. La deuxième vague d'ennemis approche. C'est maintenant ou jamais, Dumbom. On va leur montrer. Ah. On va les accueillir comme les hommes. Je veux faire. Entendu. Bœuf-tout ! Qu'est-ce qu'ils essayent de prouver ? Hors de question que j'aille au casse-pipe, je vais pas crever au milieu d'une part. Enfin, si j'utilise Dumbom comme appât, ça devrait me donner assez de temps pour sauver ma peau. Quel bâtard. C'est vraiment un bâtard, hein ? Putain, foiré ! Ah, enfin, je vais me mettre à jouer. Alléluia. Appuyez sur Zelle pour cibler les ennemis. Ensuite, cibler un ennemi, apparaître la palette de combat. Ensuite, on doit appuyer sur A pour sélectionner. Approcher l'ennemi pour attaquer automatiquement. Ensuite, allez, crève. Choisissez un arbre avec la croix directionnelle et appuyez sur le bouton A pour confirmer. Ah bon, je savais pas, en fait, je suis en demeuré. Donc, vous voyez, on a à peine commencé le jeu qu'il y a déjà les combats. Donc, il y a pas mal d'actions quand même. Ah. Ok, donc là c'est fini. Évidemment, on reste maintenant sur C, on se sert de la croix directionnelle pour régler la caméra. Donc sinon, le système de combat, elle est pas génial ici. Hein. Épée de foirée! Ils sont tous molles. C'est le PGM. Non, j'ai gagné. Bref, qu'est-ce qu'il faut faire? Ok, encore un ennemi. Celui-là, il est balèze. Essayez de se le faire. Amba. Espèce de forêt! Moi, à chaque fois, je fais toujours la même attaque parce qu'il est trop d'art. Allez, attaque. Bon, je suis désolé, mais je commente pas très bien, je sais. Ce genre de jeu, c'est pas très facile de bien commenter, quoi. C'est vrai que c'est un jeu qui est magnifique. Franchement, il est magnifique, quoi. J'espère sincèrement que ce let's play va marcher. Je vais avoir plein de vues avec. Franchement, j'espère, quoi. Alors. Charles. C'est une blague. Voilà la troupe principale. Les mécons ont l'air bien indécidés. On s'est débarrassé d'eux. Ils ont intérêt s'ils veulent avoir une chance. On va retourner la situation à notre avantage. Qu'il dit. Dixon, Dumbom 2, on y va. Suicide collectif. Amina. Suicide collectif, allez. C'est la fête du slip chez ma grand-mère. Ou également un autre avantage avec les gagatures, le son ne sera plus en décalé. Hein. Allez, frère. What the speech? What the fait? Dumbom! Et après, il va se faire buter. Oh yeah! C'est pas ça qui va m'arrêter. Dumbom, on y va. Ça se voit, non? Je peux continuer. Non, ça se voit pas. Maître, les héros finissent par atteindre les limites. Même les héros. Non, qu'est-ce que tu fais? Par là, c'est... Désolé, les gars, c'est pas que je m'embête avec vous, mais c'est que je veux ce modèle de... Amusez-vous bien avec les boîtes de conserve. Moi, je me tire. Espèce de... Vous en faites pas, je m'occuperai de vos funérailles. À la revoyure. Attends. Et après, il va se faire tuer. Voilà. C'est joyeux, hein. Ça, c'est une blague. C'est pas drôle.
Je crois qu'on est cuit. Au moins, on peut pas tomber plus bas. Dumbum, occupe-toi des survivants. Dumbum, à quoi tu joues? Je vais se tirer en courant comme une grosse merde. Bande de crétin. Je reviendrai chez Molado quand ce sera un peu calmé. Ce sera à moi. La punaise. Oh non! Je vous en prie! Et je suis démoli. Misérable mécon. Si vous croyez que les hommes, les habitants de Bienon vous attendent, que vous méprisez, vous faites une grave erreur. Amba, c'est la fête du slip chez ma grand-mère! Non? Quand vous voyez la map de ce jeu, est énorme et magnifique. Regardez-moi ça, tout ça. Il y a la forêt, il y a tout quoi, c'est magnifique. Waouh, c'est magnifique. Oh merde. Alors, en fait, si j'ai bien compris, je crois qu'ils vivent sur les mécons en fait, enfin sur les titans en fait. Ça fait déjà 11 minutes que je filme. C'est en train de charger. Chargement est en cours. Je répète. Chargement est en cours. Bref. Et voilà, magnifique. Un an plus tard. Eh ben, punaise. Un Mekon M71. Je devrais pouvoir utiliser son module optique pour recalibrer. Oh, non good. Mince, il est hors service. The joint section. Là, l'articulation. It's buckled. Elle est toute tordue. Mais it's completely useless. Il n'y a rien à sauver. Alors, glouille. Oh, c'est beau, hein. Libellule. Elle est belle. Elle est belle. Hein? Un M69. Un M69. Évidemment, c'est en anglais. C'est un blindage. Serait parfait pour faire un bouclier. Je n'arrive pas à le sortir de là. Je devrais pouvoir. Et en fait, c'est une espèce de escargot ou je sais pas quoi qui se laisse aller comme carapace. C'est pas un mécon, c'est juste un vernis. Il utiliserait le blindage de Mekon pour qui? Tu devrais l'attirer. Quand il sera à terre, utilise tes arts pour l'achever. Ok. Faire une petite baston, ça peut pas faire du mal. Tuer des sortes de escargots géants. Un personnage s'évanouit lorsque sa jauge de PV est vide. On y apprend, on est dans le coma. Choisissez un art avec le croix directionnel et appuyez sur A pour confirmer. Infligez les dégâts avec l'acération dorsale. Restituer des PV avec la lueur de soin. Je vais essayer qui vous voulez faire. Let's focus our efforts. I'm on it. Alright, I'm feeling it. Alright, je suis cela. Let's keep on the pressure. On ne peut pas utiliser les jarres. We can definitely do this. Come on, we can do it. Wow, down. Backslash. Ouais, je sais, on peut pas utiliser un arc quand sa jauge est vide en fait. Utilisation des arts spéciaux. La jauge spéciale doit être complètement remplie. Je sais. Voilà, on a réussi le combat. Un coffre au trésor apparaît quand un ennemi est vaincu. Tout prendre, oui, je sais tout prendre. Oh, c'est chaud. Les barrières vertes vous empêchent de vous échapper. Oh oh, on est obligé de le faire. La musique est géniale. Faites attention à l'hostilité pendant les combats. L'efficacité de certains arcs dépend de l'angle d'attaque. Observez le cercle utilisé pour trouver le meilleur contre-attaque. Il est moulu.
Thanks, Ryan. Encore that was a close one. Merci, Ryan. Man, what were you doing wandering off by yourself? Qu'est-ce que c'était Stay where I can keep an eye on you. It's pretty dangerous outside of the colony. C'est there are all kinds of monsters. Yeah, but thanks to you, we got it, Shell. Everyone in the colony is going to be really happy. I'm more worried about you than the shell. Oh, whatever. Knowing what you're like, at least you'll make a decent weapon out of it. Connais, this scrap drive is excellent. I just learned by watching Dixon make weapons. Of course, Dunban's weapon still beats them all. Enfin, the Monado. I hope I can figure out the secret of his power one day. Que je pourrai un jour percer le secret de sa puissance. Anyway, you better get tu back to the car. Je te fais confiance. If I'm late for drills again, old Square Tash is gonna kill me. Tu sais quoi? Square Tash. J'en ai marre de lire. The Defense Force Colonel. Voilà, j'en ai marre. He's pretty scary. J'ai quand même essayé de lire. About it. Sorry, I didn't mean for you to come all the way out here during your break. Ah, donc je sais, le premier épisode sera un petit peu saoulant. Je le sais, je suis désolé, mais voilà quoi. Il y a plein de cinématiques dans le premier épisode, mais après ça va bien mieux. Donc on continue encore un petit peu avant de s'arrêter là. Allez là, t'arrives. Et c'est là le truc, il n'est pas en train d'enregistrer. De toute façon, je vais vous expliquer comment on fait. Hein. Alors. C'est B pour sauter. Mario Bloss. Rassembler des objets de collection. Voilà, c'est beau, hein. Donc la musique est magnifique, donc j'arrive à la colonie et puis j'arrête. T'es là toi, c'est bon. La musique est vraiment géniale en tout cas. Je kiffe moi comment je suis sur les murs. Mama, Luanda, Anna, oh. Oula, oula, oula. C'est parti mon kiki. Donc sinon, bah apparemment c'est le meilleur RPG depuis... 6 ans déjà, donc c'est vraiment pas mal. Sinon bah si je me trompe pas, je sais pas si vous voyez, mais en haut de l'écran il y avait une sorte de croix orange, et donc bah justement c'était ça que je devais suivre en fait, hein. Colonie 9, voilà, donc je vais m'arrêter là. Here we are. I better stop in at HQ. Voilà, you're off to the weapon development lab. Yeah. When I've sold any parts I can't use. Oui. All right. See you later. Oh, ça marche. À plus tard. Ok. Vas-y. Babouin sans cœur, trou le cul, sans poil. Donc nous allons devoir nous arrêter là. Alors. Oui, je sais. On doit vendre et acheter des trucs en fait. Donc en fait on devra accepter des quêtes, des trocs, etc. Après c'est un petit peu RPG, le but c'est de faire des techs. Des techs. Moi bien parler français. C'est vrai, nous allons devoir nous arrêter là. Attends, c'est qui ça? C'est quoi ce speech? Papa est au ciel parmi les étoiles. Qui sort-il le soir? Ok. Veille sur moi la nuit. Il est mort en gros. Quand il fait noir, je regarde par la fenêtre pour le voir. Il est un peu taré. Voir les liens entre personnages dans le sociodrame. Ah, donc nous allons nous arrêter là, je sais pas où. Je cherche. Donc j'aurais une envie folle, hein, de continuer, mais bon. Hein. Donc je vais pas faire une vidéo définitivement longue, quoi. Je vais pas faire une vidéo à l'infini longue. Nous allons nous arrêter sur ce magnifique levier design. Attendez, je prends juste une photo si je trouve la télécommande. Voilà. Et donc sinon, au revoir et à la prochaine vidéo.